je m'appelle Benjamin Briot et ça fait maintenant 4-5 ans, en 2014, que j'ai lancé l'émission Nota Bene sur YouTube, qui est une émission dédiée à l'histoire et qui se sert de l'histoire autant anecdotique que de la pop culture, que tout ça, pour essayer d'attirer un petit peu les gens à cette matière. Et donc j'ai eu la chance en 2016 d'être édité d'abord chez Robert Laffont, puis en 2018 chez Talendier pour mon premier bouquin qui s'appelle Les pires batailles de l'histoire. Voilà, le titre est un petit peu vendeur. Et donc c'est pas du tout un livre d'histoire militaire. Finalement, les pires batailles de l'histoire, ça serait un petit peu étrange de créer un classement entre les pires et les meilleures batailles. C'est surtout un prétexte pour aller à la découverte de l'histoire. Donc c'est un livre dans lequel on va revenir sur une quinzaine de batailles, du 5e siècle avant notre ère jusqu'à nos jours, au 20e siècle. Alors ça peut passer par Marathon, Azincourt, donc ça c'est des batailles plutôt connues, à des batailles moins connues comme la bataille du Champ de Laga ou la bataille de Pont-Saint-Louis par exemple en 1940. Le but du jeu, c'était vraiment de montrer que l'histoire, elle n'est pas que franco-française. C'est pour ça que j'ai été sur pas mal de continents à différentes époques. Et donc je me sers de ce fil de la bataille pour remonter parfois 100 ans, 200 ans en arrière, pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et finalement, la bataille, c'est la petite carotte avec toujours un élément un peu insolite durant la bataille qui vient renverser le cours de l'affrontement. Donc c'est un livre, comme je le disais, en une quinzaine de chapitres, qui sont assez courts, ça se lit assez vite. Et dans chaque chapitre, il y a une petite partie fiction dans laquelle je me suis lâché, dans laquelle j'intègre la peau d'un des personnages sur une ou deux pages. Bien sûr, tout ça c'est indiqué, donc c'est un petit peu romancé, il y a des annotations en bas de page pour savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Et puis, en chaque fin de chapitre, on a une ouverture vers le monde, qui s'appelle « Pendant ce temps-là dans le monde ». Donc par exemple, Azincourt, c'est très bien, on sait ce qui s'est passé, mais pendant ce temps-là dans le monde, qu'est-ce qui se passait en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud? C'est important de pouvoir aussi en parler pour décloisonner finalement cette histoire. Pour moi, l'objectif, c'était vraiment de démocratiser l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, aujourd'hui, on le sait, les Français ont quand même une passion pour l'histoire. C'est une thématique, on va dire, qui vend bien, qui parle aux gens. Mais sur Internet, j'avais envie de créer un programme assez accessible qui puisse parler autant aux gens qui s'intéressent à l'histoire qu'aux gens qui ne s'y intéressent pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai certains formats qui sont assez sérieux. Des reportages sur le terrain, je vais dans les châteaux, et j'ai des reportages ou des émissions qui sont beaucoup plus légères et qui permettent vraiment de servir de marche finalement. Je suis une marche sur laquelle les gens vont s'appuyer pour aller plus loin et s'intéresser à l'histoire. C'est vraiment comme ça que j'ai conçu l'émission au départ, et finalement je m'aperçois aujourd'hui que j'ai autant des étudiants en histoire ou des profs qui me suivent que des gars qui sortent de l'usine ou des ingénieurs informatiques qui passent leur temps sur le code et qui se rafraîchissent un petit peu le soir en regardant les émissions d'histoire. Thank you.